Ça, c'est ton truc de corps, c'est ça? Oui. Bonjour, Nandakale, Nang and Rikri and the Rikras on the Bayou and our medieval town Lan Rakram. So, in a Kupina Lakra Paranga. So, or a mill on the water mill and Solanga. In the Rathakanang on the Nag Mandrakras on the Oring or Peri or Vula on the Nadaka, medieval Vula on the Nadaka. அந்த மெடிவல் விழா பார்க்கத்தான் இன்றைக்கு வந்திருக்கிறோம். அதோட சேர்த்து மெடிவல் விழாவோட சேர்த்து இந்த டவுனையும் இந்த டவுனில் இருக்கிற பழைய காலத்து பெரிய கத்தீட்ரலையும் பார்த்து நாங்கள் ரசிப்போம் வாங்க. மது கடை ஒன்று இருக்கு, பார்த்தா ஆட்டை கேட்டு தெரிஞ்சு கொள்ளுவோம் வாங்க. இருந்து C'est quoi le type d'alcool que vous vendez ici? Et là je fabrique mes hydromels, mes breuvages médiévaux, mes ponches. Et vous avez le calvados ici aussi ou pas? Non, j'en ai pas de calva. Vous avez pas de calva. J'ai la pomme tapée avec le rhum. Avec le calva. Avec le calva. D'accord. Ici. C'est moins fort, c'est ça? Est-ce que c'est moins fort de calva ou c'est le même type? On est à 40 degrés. 40, ok. Et ça a plus de goût parce que c'est macéré avec la vanille bourbon, les épices, le rhum. Ah ok, c'est un mélange de l'alcool, ok. Punch. C'est vous qui l'a fabriqué, c'est ça? Ah oui. Ok. Vous voulez goûter? Oui, juste un petit verre, s'il vous plaît. Non, non, je sais où c'est. Je sais. Merci. Ah, ça chauffe, hein, ouais. Et c'est combien une bouteille? 35. 35, ok. Merci. Denis, je me débarrasse. Là, c'est les hydromels. Ça veut dire hydromels, c'est macération d'eau et de miel. Vous avez le moelleux qui sont les deux premières, le nature. Mm-hmm. À partir de celui-là, on fait aux fleurs ou aux fruits. Et ici, on a fait une extension avec des alcools un peu plus forts. Là, on est sur 18 degrés et là, on est sur 12. 18 et 12. C'est qu'avec l'eau et le fruit, c'est ça? C'est eau et miel, la base. Ah, l'eau et miel, la ok. La macération dure 12 ans chez nous, mm-hmm. C'est parce que c'est une vieille recette de famille de mon mari. Et donc, ça, on est sur 12 degrés. 12 degrés 5, exactement. Okay. Et là, on est sur 18, avec des alcools plus forts. Okay. Ah, c'est bon, l'hydromel. Alors, le nature, celui que je vous disais en deux premiers, se boit avec tout, apéritif, digestif, avec un foie gras, avec un dessert. Mm-hmm. Avec une bonne bière aussi. Toute bière. Bonjour, monsieur dame. Lequel fruit qui est le plus placé? Ah ben ça, c'est votre palais. D'accord. Celui, si vous voulez, qui aura peut-être un petit peu plus de consistance, c'est la poire. La poire, la pêche. La pêche, ok. C'est ça? C'est un peu plus. Ok. அங்கே போய் அவங்க ஆல்கோல் பார்த்தோம். ஸோ அவங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணி விற்கிறாங்களா அந்த ஆல்கோல் வந்து. ஸோ அந்த கடைசியாக பார்த்த இது வந்து வாட்டர், அதாவது தண்ணியும்
தேனும் கலந்து மற்ற ஃப்ரூட்ஸோட மெலாஞ்ச் பண்ணி பண்ணுறது. ஸோ இதுதான் பின்னால் பத்துட்டலுக்கு பின்னால் மாஃப் செய்து Il faut faire le tour, il y a du monde un petit peu partout, mais on ressent toutes les fois. Ils ont privilégié la qualité que toi. Merci, au revoir. Bonjour. Ah, famous sausage salam de queue. Bonjour. On fait canard ou pas? Bonjour, c'est moi. Bonjour. Ça, c'est ce saucisse de porc, c'est ça? Oui. Ok, merci. Tout à fait. On a 1300 pour le gars. Ah oui, c'est beaucoup. Ça finit dimanche, ça? Oui, dimanche, c'est en fin de journée. Ok. Il y aura merci. Une truc pour moi. Monsieur. Bonjour. Bonjour, je prends une formule. Une formule. Ouais. Quelle sauce avec sandwich? Comment? Quelle sauce? Vous avez quoi comme sauce? Quel genre de maillot matériel mange debout? Je prends le maillot. Maillot? Ouais. Encore une, ça peut sauver. Une frite supplémentaire? Ouais, merci. Oui, c'est bon, il a déjà fait là. Qu'est-ce que vous mettez comme boisson, monsieur? Bière ou sinon ce qu'il y a dans la vitrine? Je prends Pulco. Ah, pour les médias, j'ai un doute. Pour ma clé, sandwich, on est en train de faire une autre vie ordonne sa propre. Parlons de la cette frite, une grande truc. Guys, je parle de sandwich à prendre. நல்லா இருக்கு. நேச்சுரலான போக் சாண்ட்விச், போக் சசேஜோட தான். நல்ல வியூல இருந்து நான் சாப்பிட்டோம். ஹெர்ப்ஸ் எல்லாம் போட்டு டேஸ்டியாகும். இதே பாருங்க மக்களே, இங்கே நான் சாப்பிட்டேன் பாருங்க. அதோட வியூ அப்படி இருக்குது. இதுதான் ஃபேமஸான பில்டிங், பழைய அந்த பில்டிங். அதோட சுற்று வாட்டர் மில்லும் இருக்குது. இங்கே பயூவில் இருக்கிற முதல் பிக்சர் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் மெயின் ஃபேமஸாக இருக்கும். இதுதான் டூரிஸ்ட் ஆஃபீஸ். அங்கே இருக்கிறவங்க Thank you.
Tous on a fait ce mot dire que. To Market Street, Modern Market Street, full of restaurants. Translates in a Veda. Ah oui, d'accord. Oui, pardon, on peut plus comme ça. Non, c'est dimanche. Après ton journal, c'est marqué.